Coucou la VOD, bienvenue dans la suite de la campagne des Elfes de War 3 Reign of Chaos. On se rapproche. On doit friter la Légion, mais d'abord, réveiller les druides de la griffe, aussi appelés druides ours, pour les plus anciens. Donc, chapitre 5, un frère de sang. Le matin suivant, au refuge des saisons du mont Ijal. Donc faut savoir que la mission d'avant, donc les druides de la serre, c'était à Winter Spring. Hein. Il n'y avait pas des masses de neige, mais c'était officiellement Winter Spring. Le bas de Winter Spring. Mais Winter Spring quand même. Eh. Voilà. Faut admettre que, voilà. Ouais. Du coup, on a déjà croisé des satyres, donc des restes de l'invasion de la Légion de 10 000 ans avant. Et là, on arrive au refuge des saisons du mont Ijal, où on essaie de réveiller les druides de la griffe. Afin de réunir tous les druides. Tous. Une armada de druides. Winter Spring plus dans le spring que dans le winter. Oui, tout à fait. Effectivement. Énormément de spring, pas des masses de winter, là, pour le coup. Je me demande... Ouais. J'avoue que ça, c'est un truc que je regrette un peu avec Reforge. Avec toutes les modifs qu'ils ont faites, notamment les modifs au nom, les modifs de lore, 2-3 modifs qui font que le lore est plus cohérent par rapport à voilà, ce qui a été fait après... Par rapport aux 20 ans d'après, quoi, qui ont été faits, quand même, d'histoire. Ils auraient pu mettre à jour cet écran-là avec la map. Parce que... Ils auraient pu, quoi. Quitte à le laisser en mode dessin chelou, on s'en fout. Quitte à le laisser en mode dessin de cartes faites à la main, et on s'en fout, tu vois. Mais ils auraient pu, quand même... Ils auraient pu... La rendre cohérente par rapport à vous, quoi. Par rapport à la map de Warcraft qu'on connaît, enfin, que tout le monde connaît, maintenant. Et que à laquelle tout le monde a accès, au minimum. Enfin bon. Les distances. Non, les distances, on s'en fout. C'est vraiment depuis l'organisation. Depuis près de 3000 ans, personne n'est entré dans le refuge des saisons. Donc là, on est rentré dans le refuge qui des saisons. Qui sait quelles créatures ont pu y élire domicile. Des ours. Nous n'avons rien à craindre de cet endroit. Le seul ennemi qui m'ait jamais inquiété corrompt les terres au-dessus de nous en ce moment même. Tyrande. Remplissons notre mission et remontons à la surface. Je suis d'accord, mais sois prudente. Après tout ce temps, les druides de la griffe pourraient réagir de manière imprévisible à notre présence. J'adore quand même, genre. Méfions-nous, qui sait ce qui nous attend? Tyrande à côté, rien à foutre, c'est bon, on a battu la Légion, qu'est-ce que tu veux qu'on en a à foutre de trois ours à la con? Après, elle a pas tort en soi, hein, c'est juste que... En soi, ouais, pourquoi pas? C'est vrai que, bon, par rapport à la Légion, le fait est que... Oula. Hein? Alors attends, toi tu remets les flèches en auto. Toi t'as quoi? T'as cyclone! Oh parfait, ils ont cyclone. Donc ça globalement c'est les druides balance. Voilà, à peu près c'est l'idée générale. Enfin c'est la druide balance version War 3, mais c'est les druides balance. Le druide tank c'est plus tard. Là il y a des kobolds. Je me demande. Le sommeil. Ouais si c'est ça. Malfurion il peut se servir des champignons pour faire des tréantes. Parfait, potion de soin, oui, j'aime ça. Bonjour. Ces araignées cavernicoles sont énormes. Oula. Je perçois une souillure, une étrange noirceur en elles. Elles sont victimes d'un puissant maléfice. D'un maléfice? Des araignées? Apparemment des araignées maudites, parce qu'une araignée normale ça suffisait pas. Il fallait que les araignées soient géantes et maudites. Ah bah tiens, génial. C'est pas... Attends. Ouh, mais cette mission va être... Bonjour. Oh, tu es dégueulasse. Oh, tu es immonde. Attends voir. Il y a des quêtes annexes dans le coin? Il y a deux quêtes principales, oui. Ah, du coup, je sais ce que c'est. La map est immense. Oula, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Araignée géante. Ben, tiens. Je me demandais si... Ouais, non, si, c'est ça. Il écrit quoi? Le feu augmente les dégâts des attaques de la prêtresse. Ben, tiens. Le feu augmente les dégâts. C'est fou, ça. J'aurais pas cru. What? Le feu augmente les dégâts. Des squelettes. Un revenant de glace. Oula, tata, il se faisait quoi, là? Attendez. Back. Il m'a fait un blizzard dans la gueule, lui. C'est pas gentil, faut arrêter.
Attends, y'a quoi en dessous? Rien, des cailloux. Y'a quoi là? Des squelettes et encore des revenants. Oh. Baguette de bouclier de foudre, on fout un peu. En fait, une fois qu'on est dans l'extension, ce genre d'items, on peut les ramasser juste pour les revendre. Parce qu'on a un marché, enfin, on a un menu de revente. Attends, là-bas, y'a un truc, pardon, je l'ai pas vu. Potion de soin sup. T'en as une, toi? Quelle non, est la toi, là. Qui pèse sur ces terres. Ouais, va chercher, potion de soin. Go, t'aimes bien. Ce sera fait. Ensuite, go. Là, y'a que dalle. Là, y'a que dalle. Là, y'a une axe... Oh, en fait, c'était là. Oh, j'adore. En fait, y'a pas le choix, c'est ça? Ouais, c'était par là, hein. Ouais, c'est par là. Ouais, c'est par là. Ça peut être par là. Oula. Attends, quoi? Là, y'a quoi par ici? Y'a du rien. Attends, stop. Venez ici, vous. Malfurion? Ah bah, tiens. Panudora. Ça, c'est un passage secret, ça. Oui. Salut. Je suis tombé sur quoi? Oula! J'ai fait une connerie peut-être. Salut! Tu es... gros? Qu'est-ce qu'il est gros? Graor? Panda énorme, niveau 10. Vraiment, il s'appelle juste Panda énorme. Waouh, ouais. Alors lui va me tuer des unités, je sens. Si, ah si il continue. Ouais non c'est bon, ça va être easy, il tape que le plus proche de lui. Chaîne. Non chaîne c'est plus tard. Chaîne il y est aussi, beaucoup plus tard. Collier d'immunité au sort. De quoi ça existe ça? Rend insensible à la magie, je jure carrément. Bon, alors attends, Malfurion. Je fais qu'un avec la terre. Ouais ouais vas-y go. Sois immune à la magie. J'aime l'idée. Genre vraiment? Panudora. Rends le roi insensible au sort. Ah bah d'accord. Bah écoute ok. Faisons ça, pourquoi pas. Ensuite, non non toi là. Qu'est-ce que quoi? Ça va sinon? Qu'est-ce que c'est ça? Une écracheuse. Ah les crachats du machin. Eh oh. Ah c'est quoi? Ah c'est dégueulasse. Attends. Sac d'œuf. Y'a des araignées dedans? Je sais pas. Parchemin de soin. J'entends la voix des lunes. Ouais, parchemin de soin, go. Go. On va l'utiliser instamment. Voilà. Ensuite, ça c'était. Y'avait quoi ici? Stop! Y'avait quoi ici? Attends mais j'y étais tout à l'heure, c'est ça? Anneau de l'araignée. Pourquoi je l'ai pas pris? J'ai raté un item moi. Bah. Attends. Ashtoraman. Go go go. Une petite lichette de thé et c'est parti. J'ai l'impression qu'ils ont patché un truc. Il y a eu un patch qui est passé. J'ai pas eu de plantage aujourd'hui. Je suis en train de dire ça, ça va me jinx de ouf, mais ça a l'air pour aujourd'hui, il y a pas eu de plantage, rien, tout va bien. C'est cool. De la bile de démon. Oula. C'est ce qui doit avoir corrompu les araignées. Oula, 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 eh oh. Si la corruption a un tel effet sur ces simples créatures, je n'ose imaginer les dégâts qu'elle ferait aux bêtes de la surface. Nous devons mettre un terme à cette corruption, coûte que coûte. Ouais, d'accord. Ça dure quoi, 4 secondaires, ça y est? Ok. Qui alors, attends voir. La nature. Ah non, non, je me suis trop rapproché. C'est quoi ce bordel? Attends. J'entends ouais, attends voir. Attends voir, attends, attends. Salut, ça va? Kalimdor. Anudora. J'ai fait une connerie. C'était une connerie. Parfait. Oh, ça tape en AOE cette merde. Cesse. Merci. Ok, alors attends. Ouais, et ça c'est quoi ça? Fontaine de soins polluée. On peut pas la purifier? Ça a pas l'air. C'est un peu triste. J'aimerais la purifier. Je souhaiterais vivement la... Oh! Un fireball pas corrompu. Salut, avec un mec qui dort.
Oula. Attendez, prêtresse. Nous avons besoin de votre aide. Une étrange araignée a mordu notre chaman. Il est gravement empoisonné. Ah non, il a un os dans le notre nez. Notre tribu a fui en nous. J'ai cru qu'il avait une moustache. À notre sort. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Il y a une fontaine de vie toute proche. Ses eaux peuvent le sauver, mais nous n'osons pas le laisser dans cet état. Si vous pouviez y remplir cette fiole et nous la rapporter, notre chaman serait sauvé. Si ces talents peuvent vous empêcher de succomber à la corruption comme le reste de votre tribu, je sauverai votre chaman avec joie. Ah, la fontaine de vie, c'est pas le machin ultra pollué qui a corrompu toutes les araignées à côté, là? Excusez-moi, monsieur. Hein? Ah non, il y en a une autre. D'accord, pardon. Puiser l'eau de la fontaine de vie. Obtenu, fiole vide. Ah oui, là. Fiole vide. D'accord. Bon, Tyrande, elle a dit avec joie. Pour une fois que Tyrande a pas été méchante avec quelqu'un, on va le faire. Attends, stop. On va pas y aller, en fait. Fantôme. Ça, c'est les machins qui me possèdent, là, comme des banshees, et qui me font tuer mes propres unités. Non, j'aime pas. J'aime pas ces trucs, mais genre, j'aime pas du tout ces trucs. Eh, salut. Ah non, pas des lézards. Le son que ça fait est infâme. Ah. Ce doit être la fontaine de vie. Il me suffit de remplir cette fiole de son eau. Oui. Fontaine de vie. Soignez-vous, les couillons. La déesse appelle. Attends, toi, t'as pas besoin de plus, vas-y. Tape l'aller-retour. Va voir machin. Bon, ce temps, les autres régènent, hein. Oh ouais, régènent ardemment. On boit à la fontaine. Aglou. Avec la terre. Aglou. Énorme aglou. Bah ouais, go. Qui menace la nature? Salut, Tyrande. Et l'une soit louée, prêtresse. Ça a TP Malfurion, nous doutions sincèrement de votre retour. Désormais, notre chaman a une chance de survivre. Pourquoi ils l'ont pas porté jusque là-bas? Remarque, oui, non, parce qu'il y avait des dangers, mais... Quoi? Allez, salut. Laissez-moi vous remercier de votre aide. Prenez ce talisman. Si jamais vous avez besoin d'assistance, il nous appellera et nous nous battrons à vos côtés. Ah oui? Cool. Oh, nice! M'a filé une invoque de Furbolg. Très très bien. Very pratique. Alors, tu régènes toi s'il te plaît? Allez. Plus que 75 HP, tu peux le faire. Dépêche-toi. Parlez. Vroumeux. Du coup, ça pose une autre interrogation. La suite est où? Ah, la suite est là, c'est ça? Ouais, la suite est là en fait. Par contre, du coup, l'ulti de Tyrande, c'était quoi? Starfall? Ah ouais. Et l'ulti de Ah non, et la tranquille, elle était là. Salut, la tranquille. Ça va? Oui. Bonjour. Tout ceci ne me dit rien. Du coup, elle gagne pas de level depuis tout à l'heure, en fait, si? Attends, j'en sais rien, en gros. Elle a combien? 1494. Ah, et là, on arrive sur la dissension dans les rangs. C'est ça? Oui. On arrive sur les problèmes. Le chemin coupe vers le sud. Mais cette galerie a l'air prometteur. Oh non, comment ai-je pu oublier? Qu'y a-t-il derrière cette porte qui puisse t'inquiéter, mon aimé? Rien, personne. Tyrande, cette porte que tu vois mène à la prison d'Illidan. Nous devrions partir, immédiatement. Illidan? Mais cela fait 10 000 ans. Pourrait-il être encore en vie? Libérons-le, Malfurion. Il serait l'allié parfait contre les morts vivants et leur maître démoniaque. Oui. Surtout pas, Tyrande. Cette bête ne doit jamais être relâchée. Mais cette bête est ton propre frère. Peu importe. Il est bien trop dangereux. J'interdis qu'on le libère. Seule la déesse peut se permettre de m'interdire quoi que ce soit. Je libérerai Illidan. Que cela te plaise ou non. Allez hop. Illidan, ça fait 10 000 ans qu'il est en tôle là-dedans, lui. Bon, pendant ce temps-là, les druidours, hein. Salut Malfurion, t'as perdu ta femme, hein. Voilà, hein, c'est dommage. T'as gardé les druides, par contre. T'as gardé les druides et les dryades, et pendant ce temps-là, les sentinelles ont suivi Tyrande. Ouais, d'accord. Oula, c'est quoi ça?
Terra Haladon. Pour Kalimdor. Oh, mais ce non, mais arrêtez, fait. Arrêtez! Pour Kalimdor. Ça fait des dégâts, ça? 15 points de dégâts secondes. Ouais, ça fait des dégâts. En vrai. Quelle est la menace qui pèse sur cette terre? Ah merde, du coup j'ai pas l'invoque de Fur... Oh, j'ai pas mis sur mon perso l'invoque de Furbolg, c'est ça? Ouais. Anudora. Mauvais sabre. Mauvais. Ashkera Falador. Salut. Là-bas, il y a des kobolds. Il n'y a plus de champignons pour invoquer des... Oh. Attends, là, il y a encore... Un problème? Je ne fais qu'un, j'atterre. Je suis prêt. Rien? Tout genre, il y avait rien. Me dit rien qui ah, vaille. Attends. Eh, je salut! Ne fais qu'un avec la terre. C'est un passage secret, ça. Hein. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens? Ah merde! Attends. Back! Voilà, c'est bon. Pouillez le retourner là. Juste que Malferlon est la portée pour taper. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Ah, allez. Baguette de négation. Dissipe la magie dans une zone. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens? Ouais, vas-y, allez. En soi, de toute façon. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres? Alors. Anudora. Il va être content. Quoi, Malferlon? Ou pas vraiment? Ceci ne me dit rien qui vaille. Eh, salut! Il a même oublié que son frère était là, quoi. L'archidruide de reflet de lune exige qu'on le laisse passer. Ah, le poteau, il a obéi. Eh, le poteau, il a obéi. C'est marrant, ça. Salut. Oula, attends, c'est quoi, ça? Gardienne, gardienne, gardienne. C'est des chouettards. Je ne fais qu'un avec la terre. Allez-vous-en. Vous n'êtes pas digne d'approcher les dieux ours. Les dieux ours? Les dieux ours? Comment ça, les dieux? C'est pas des dieux, c'est des... Eh, c'est des dieux qui dorment, de quoi tu parles? Les chouettards gardiens. J'adore leur espèce de crête chelou. Elle est fantastique. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais alors... Ils sont géniaux. Putain, mais... Ce skin est génial. Quelle est la griffe d'attaque plus 9. Cette créature parlait-elle des druides de la griffe endormie? Mais pourquoi les appeler dieux ours alors qu'ils me ressemblent? Parce qu'ils te ressemblent pas, hein. Couillon, t'es sérieux le quoi? Le sommeil a-t-il engourdi mes sens? Quoi, cette question stupide? Oula, Anudora. Attends. Ouais, alors. Où là-bas? Non! Ceci ne me dit rien qui vaille. Je ne fais qu'un avec la terre. Fontaine de mana. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres? Le j'ai perdu une dryade, moi. C'est chiant. Alors, là, il n'y a pas de passage secret à la con? Non. Toujours se méfier des passages secrets dès qu'on a un Malfurion dans la game, là. Pour ou Scénarius, ou un équivalent. Toujours se méfier de ces saloperies. Toujours des arbres à casser pour... Anudora. Pour faire des passages secrets chelous. Alors, salut, salut. Et ça... Ah, un dragon noir, comment ça? Ignoble progéniture d'aile de mort. J'aurais dû savoir que ton engeance infecte se réfugierait dans les flammes souterraines. D'accord. Engeance infecte. Il est super énervé, machin. Vous pouvez arrêter de taper les dryades, s'il vous plaît? Mon dieu, ils sont combien? Ceci ne me dit rien qui vaille. Tape Malfurion. Merci. Ce sera fait. Ignoble progéniture d'aile de mort. Pour Kalimdor. Là y'a rien. Là y'a rien. Là y'a rien. Ashkera Falador. Ah! Encore de la cutscene, go. Ah! Les druides de la griffe sont déjà réveillés. Ouh, la gueule qu'ils venez, ont. Venez, mes frères. Nous avons fort à faire. Mais qu'est-ce que. Ils ont succombé à leur aspect animal. Ils sont aveuglés par la sauvagerie et la rage. Oh, t'inquiète. Il en sera ainsi. Le chant du corps pourrait réveiller les druides, mais seule une poignée d'entre eux l'entendrait dans cette partie des cavernes.
Alors, cyclone. Le sommeil a ouais. Naissance. Tous les druides de la grippe doivent survivre, Malfaron doit survivre, amener Malfaron s'en va. Ok, cool. Et donc là, le problème, c'est qu'il faut passer et jamais les tuer. Tout ceci c'est alors que eux nous tabassent, hein. C'est le souci du truc. C'est toute la clé. Salut. Pour Kalimdor. Et salut. Attends. Mais merde. Non. Quelle est la menace qui pèse sur cette terre ? La méthode la plus simple et la moins débile, c'est de cyclone en permanence. Aïe ! Non, il y en a encore un à droite. De nouveau. Faut éviter d'une armada d'ours tank. Très énervé. Oui, excusez-moi. Je ne fais qu'un avec la terre. Alors qu'on a deux dryades, deux druides corbeaux, parfait. Et qu'on doit cyclone H24. Alors, attends voir. Lui, j'ai pas le choix, il va falloir le cyclone de toute façon. Il en soit ainsi. Le sommeil a pris mon naissance. Ça dure combien de temps le cyclone ? Dure 20 secondes. Je ne fais qu'un avec la terre. Ah ça va, c'est long, 20 secondes. Mon problème c'est... Ils dorment, eux. Quelle est la menace qui pèse sur cette terre ? On peut passer. Nice. Alors attends. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens ? Poursuivons l'offensive. Il y avait rien. Tout ceci ne me dit rien. Là, il y a encore une araignée géante de la moelleté. On va éviter les araignées géantes de la moelleté là. Pour l'instant, je suis un peu sur les rotules. On va éviter ce truc. Aïe. Pour les armes. Vous allez goûter à ma lance. Ouais. Pardon. Que sera fait ? Cesse. Là, il y a un druide ours. Stop. Kalimdor. Bonjour, druide ours. Calme-toi, druide ours. Je te veux aucun mal, te jure. Arrête-toi. Oui, il repart. C'est très bien. Panudora. Fort bien. Je ne fais qu'un avec la terre. Par là, le sommeil a-t-il engourdi mes sens ? Ah, j'ai pas de quoi faire des tréhantes, quoi. Comment osez-vous ? Monstruosité de vase. Qu'il en soit. Sauvez les druides corbeaux. Non, viens là, toi. Ce qui pèse sur cette terre. Ah ouais, tank. J'ai quoi, une PV ? Ah mais non, mais il a pas de PV en fait. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens ? Ce sera fait. Ok, salut. J'ai un coup de corne, toi. Allez, coup de cocorne. Shando hurle l'orage. J'ignore ce qui nous est arrivé. Cela fait si longtemps que nous avons oublié qui nous sommes. Ne sois pas si dur avec toi, Armada de papy. J'ai à nouveau besoin de votre puissance, à toi et tes frères. Après tout ce temps, la Légion Ardente est de retour. Et seule l'union de nos forces pourra la repousser. Dans ce cas, les droïdes de la griffe sont à ton service, Shando hurle l'orage. Ah, les sentinelles. Déesse. Fait que Malfurion ait eu tort. Ah bah là pour le coup, Illidan il est quand même en tôle pour une. Bien téméraire. Même ta déesse a condamné celui que tu cherches. Les Warden, libérer. Ça y est. Avec des fouets. Ils ont des petits fouets. Bah alors. Hé, les Warden, vous avez des fouets. C'est marrant ça. Gardienne. Genre vraiment ils leur ont mis des fouets. Attends, stop. Quoi? Genre ils me détectent. Vous êtes sérieux? Ils me détectent. Comment ça? Ah ouais, elles ont des fouets et elles balancent des... D'accord. Par contre, c'est bien, vous tapez le focus sur le héros, c'est parfait, ça. J'approuve ça. Alors, libérer Illidan. Il y a un chemin en haut, un chemin à gauche, un chemin en bas. Cool. On va commencer par la gauche, je suppose. Et à gauche, il y a une porte elfique fermée. Activez les deux cercles de puissance pour ouvrir ce portail. Ah bah super. Ah, il faut taper tout le chemin. Yeah, il faut taper tous les chemins en fait. Fabuleux. Alors. Qui menace la nature ? Au nom de Scénarius,
Je suis tranquille. Alors. Anudora. Au nom de Cenarius. Comment ça, au nom de Cenarius, t'es une prêtresse des lunes. Et nous. Par contre, c'est moi où il y avait une table avec. En position. La déesse appelle. Oui, il y a une table. Ils sont chiés les prêtresses. On va aller voir d'autres. La déesse appelle. Avec Game Design de 2002, hein, ouais. Ashtora, man. Anudora. Balise de soins. Oh, attends. Ça, c'est bien. Ça, par contre, c'est très très bien. Ah non, mais c'est bon. Attends. Parle à toi. Et de 1. Maintenant, on retourne là. Ensuite, et de 2. Go. Là, il faut qu'on aille là, là, là. Ce qui est marrant avec War 3, c'est qu'on voit les maps. Et là, il y a une salle secrète avec une porte à casser, c'est ça? Là, porte à casser, porte à casser. Oula. Sous-salle chelou. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Re-porte à casser, re-salle. Oula, oula, oula. What the fuck? En bas, c'est plus le bordel. Attends, attends, stop, c'est quoi ça? Factionnaire. Ah, elle, elle a un glaive. Salut. Ça veut dire qu'elle va sonner l'alarme, c'est ça? Au nom de Cenarius. Parce que là, en vrai, je suis en train... Elle se met des BL, elle s'est mis une Bloodlust. Anudora. L'est-il? Elle s'est mis une Bloodlust. Oula, c'est quoi ça? Gardien de pierre, d'accord. 24 XP. Ah, mais je gagne de l'XP là, moi! Y'a quoi là? Gardienne, mystique. Eh, y'a un! Attends, quoi? Dans le corps des Warden, y'a des. D'accord. Y'a des mages dans les corps des Warden, tiens. Là, y'avait une porte chelou. Il a salué. Il a salué. Pourquoi il a salué? Que quoi? Piédestral du livre d'invocation. La déesse appelle. D'accord. Cassez ça. Tome de connaissances. Oh très bien, c'est de l'XP. C'est très bien ça. Ça on approuve par contre, parce que tranquillité si je... Enfin pas tranquillité mais... Starfall si je peux l'avoir. Je vais me monter sur mon exhale. Oh putain. Attends mais c'était quoi ton torse? What? Genre les ailes que je t'ai filé? Ouais non mais c'est quoi ton torse? Kalimdor. Ah! Anudora. Alors. Parlez. Ah mais il y avait rien ici. Des caisses. Y'a un truc dans ces caisses? Un squelette, ça va super. Génial. Récompense d'exploration, hein. Ouais, ouais, on adore. Alors, salut, sa biche. Elle se met des BL, elle. Ah, attends, on va commencer par. Salut. On a ouvert la porte. Ça, c'est fait. Là, il y a un truc, c'est quoi? Ah, des potes. J'entends la voix des lunes. Quoi? Vous étiez en auto-hall, vous? Donc là, on vient de libérer les prisonniers. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Bon, c'est des sentinelles, du coup, on est d'accord, mais. Ouais. Elles avaient fait quoi pour être en taule, elles? Ouh, c'était une salle de torture vilaine, ça. Qu'est-ce que vous aviez foutu, là, les deux archères et la chasseresse, là, pour être ici, vous? Je te dis ça après la mission. Cactus. Alors, une chose à la fois. D'abord, on libère Illidan. Ensuite, là. Ashtora, man. Anudora. Ah, rien, je suis très déçu. Ensuite, bonjour. Hello. 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 Ah, y'a un truc là. Oh, ça dort. Pour Kalimdor. On veut ne pas les réveiller. Ah. Pardon, on veut pas. Excusez-moi, ça a fait du bruit. My bad. Je voulais pas faire. Pardon. Oh oui. Starfall. La déesse appelle. So much Starfall. Et nous va. Ok, mais du coup, il y a quoi là-dedans? Une cache d'armes des veilleurs. Voilà qui devrait nous aider grandement. D'accord.
en position. Conseil, vos chasseurs sont tenus des glaives magiques dont les attaques rebondissent d'une cible sur le... J'ai eu l'amélioration des glaives des chasseresses. Oh, j'ai bien fait de faire ça en vrai. Oh, j'ai tellement bien fait de faire ça. Ah ok, d'accord. Non mais pardon, j'ai cru que c'était de la perte de temps parce qu'il n'y avait aucune caisse. Non, non, mais en fait c'est trop cool. J'ai eu l'amélioration. Oula, quoi? Qu'est-ce que ça? Gardien ancien, bonjour. T'es vachement gros toi. Du coup, attention, on fait ça. Ah non, il s'en bat les couilles. Il détecte les fufus, ce con. Désolé pour l'archère en premier rang, t'as mangé des baffes. Assez incroyable. Prisonnier. Quoi? Salut. Attends. J'entends la voix des lunes. Ah! 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 Ouh! Ah! Araignée géante. À l'aide. Indiquez-moi le chemin. J'écoute. Indiquez-moi le chemin. Attends, quoi? Je comprends pas. Je vous écoute. À vos ordres. J'entends la voix des lunes. Hein? Faites vite. Indiquez-moi le chemin. À vos ordres. Pourquoi elle voulait pas aller dans le... Au nom de Célarius. Je vous écoute. Hein? Pourquoi le bain de groupe a pas marché? Pour Kalimdor. C'est quoi? Un autre régène. J'entends la voix de lune. Sympa ça. Au moment de 1 l'armure, on s'en fout. Quand je le prends, ça va faire des squelettes, c'est ça, ouais. C'est sympa les prisons des Warden, hein. On adore. Ouais, c'est quoi ça? On a rien vu là. Quoi? Loki. Je suis Zaza. Loki, que je Zaza Goza. Il y a un chaton. Enfin un chien, un loup, un truc. Je vous ai. Oula 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 oula. Faites vite. Période de vitalité. Le DS appelle. Ah. Non 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 non. Toi, oui. Alors, augmente de 1 l'agi. Non, ça on s'en fout. 150 HP c'est mieux. Mais attends. Ouais. Parlez. Attendez, stop. Vous venez par là. Indiquez-moi vous deux, le là. Chemin. Bien compris. Il y a un loup qui s'appelle Loki. On tente de me bloquer la route. Seul un puissant druide peut contrôler de telles créatures. Oui. Un puissant druide? Attends, quoi? Parce qu'en plus les Warden, ils ont des druides aussi. C'est quoi ce bordel? J'ai abrogé ses souffrances. On n'est pas dans un endroit où... À vos ordres. Bien compris. Salut. Y'a un puissant druide dans le coin? Toi, pars en éclaireuse. Il en sera ainsi. Bien compris. Très bien. Ça marche si je fais ça? Dans Mar 3, ça marchait. Ça marche. J'écoute. Il en sera ainsi. Trop facile. Une fontaine de soins. Il en sera ainsi. Bien compris. Du coup, par contre, on est d'accord que là, ça amène où ça? Très bien. Trop facile. Attends, je suis furtif. Mine goblin. Oula. Quoi? Il y a des mines? Comment ça, il y a des mines? Attends. Nos guerriers sont bien qu'à l'ennemi. Très bien. Toi là-bas, éclaireuse. Il en sera ainsi. À vos ordres. Comment ça, il y a des mines? Bien compris. Pourquoi il y a des bien. Mines? Pourquoi je peux miner le terrain? Bien c'est quoi compris. Ce bordel? Il en sera ainsi. Salut. Trop ah, facile. L'aide. Très bien. Parce qu'il y a des. Ok. Décrocher. Est-ce que la personne doit arrêter de parler à chaque fois qu'elle fait un pas? Non! C'est le principe. À nous, Dola. Oui. Au nom de Célarius. Et non. Pour Kalimdor. Est-ce qu'il y a des squelettes dans ces caisses? Et non. Y a rien dans ces caisses, super.
Alors, voilà. Ashtoraman. Process. Merci. Ensuite, toi, cesse. Du coup, ça va être chiant, ça. Toi, là. Ces engins explosifs semblent être de facture gobelin. Ces roublards doivent les avoir cachés ici, il y a bien longtemps. Ça sert à rien ce que je viens de faire, il y avait un pitchon là-bas. Ouais, on va essayer de s'en servir, c'est pas la question, c'est juste que... Salut. On va attendre qu'il passe là. Salut. On va faire ça comme ça. Hein. Ce qui veut dire que toi, va rechercher les balises de soins, par contre. Alors, qui menace la nature? Personne. Enfin, moi, du coup. En l'occurrence, si j'essaie d'aller libérer Liden. Mais... du coup, attends, stop. On attend là. On attend là. Vous attendez là. Il en manque des couillons, là. Il y en a que j'ai pas tué encore. Stop. On est fufu, on attend. Il faut que j'aille où en fait? Il faut que j'aille là. La cellule d'Idan elle est là. Ok. Attends, il y a un chouettard ici. Anudora. Salut. Agro. Agro. Allez, non, par là-bas. Ah, par là-bas. C'est bon. C'est pris la mine. Tout va bien. C'est ce qu'on voulait. Mange-toi la mimine. Hop, hop, hop. Au nom de Scénarius. Calme-toi. J'aime bien. Pour Kalimdor, cette caisse doit disparaître. Ah, les émotes en cas de cassage de caisse sont quand même fantastiques. Hein, hein. Non, non, mais... La caisse, ce pire ennemi. Salut. Halte, prêtresse. Oh. Ces lieux sont interdits même à quelqu'un comme vous. Califax. Un terrible mal réside ici, et il doit demeurer enchaîné sous la terre. Illidan fut considéré comme un grand héros autrefois. Je suis certaine qu'il le redeviendra. Folie. Vous causeriez notre perte à tous en libérant le traître. Attends. Gardien ancien, gardien ancien. Salut. Donc pour l'instant, j'ai pas eu d'argument pour Starfall, c'est... Ouais. Alors, fou. Illidan, est-ce toi? Ah, c'est pas, il a pas les bons glaives. Tyrande. C'est bien ta voix. Ah, lui aussi, ils l'ont changé de doubleur. Après tout ce temps passé dans les ténèbres, ta voix éclaire mon esprit comme un doux clair de lune. C'est vrai que ça fait 10 000 ans qu'il est là, lui. Hein. La Légion est de retour, Illidan. Tes semblables ont à nouveau besoin de toi. Le mec est en prison parce qu'il voulait bien, tiens. En souvenir de l'affection que je t'ai portée jadis, Tyrande, je chasserai les démons. Mais je ne devrai jamais rien à notre peuple. Alors, retournons vite à la surface. La corruption démoniaque se propage à chaque seconde qui passe. Ok. Cela fait une éternité, mon frère. Une éternité de ténèbres. Illidan, tu as été condamné à payer pour tes erreurs. Rien de plus. Quand même, 10 000 ans. Qui étais-tu pour me juger? Nous avons combattu les démons côte à côte, t'en souviens-tu? Il suffit, vous deux. Ce qui est fait, est fait. Mon amour, avec l'aide d'Illidan, nous chasserons une fois encore les démons et sauverons ce qui reste de notre terre bien-aimée.
As-tu seulement pensé au prix à payer, Tyrande? L'aide de ce traître pourrait précipiter notre fin à tous. Je ne porterai pas cette responsabilité. Mm-hmm. Énervé, Malfurion, ça va? Énervé, Much? Genre, c'est... Ouais, il a des problèmes. Ok, bon. Frère de sang est maintenant terminé. Ah, bon, c'est la fin de cet épisode, du coup, où on a retrouvé Illidan, par hasard en plus, hein, et on l'a libéré. Bon, pas par hasard, là. Du coup, en exterminant tout un paquet de Warden sur le chemin, et en laissant Maiev sur le carreau. Ah, sur ce, portez-vous bien, bisous la VOD, on se voit dans la suite. Bye bye. Il reste des démons à buter.